Maman nette l'engin. Maman, il brûle, il brûle, il brûle. Voilà, comme ça, chienne d'en net. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez. Francis, vous êtes Redmond. J'espère que vous allez bien. C'est la 7. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Je suis derrière moi, là, comme vous le voyez, avec les disques, avec le cadre. Humus avec les disques. Donc, je suis avec le... Donc, on est dans les villes, on est dans la parcelle. Donc en fait pourquoi donc 10, vous n'avez pas vu de vidéo de cet éclat des neiges, je suis entièrement désolé, tout simplement parce qu'en fait on a fait un peu des gaménages trop tard et donc on a voulu abandonner déjà que le PGS, on a des problèmes avec, on ne peut plus décabionner, on ne peut plus utiliser des panneaux de relevage, des hydrauliques avec. Donc on ne peut plus l'utiliser, donc c'est pour ça que on n'a pas fait de décabionnage vraiment. On a voilà, avec le décès là. On le voit là, on le voit là-bas. Ça a marché, mais ça n'a pas bien marché, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on n'en fait pas. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de passer 10. Peut-être plus tard un décabinage, on ne sait pas. Mais pour le moment, disque. Peut-être un deuxième point des disques. Et après, un coup de lame ou bah, peut-être un décabinage, on ne sait pas encore. Donc écoutez les gars, je ne sais pas ce qu'il y aura dans cette vidéo. Pour le moment, je fais l'intro de ça et je verrai ensuite ce qu'il y aura d'autre. Parce que voilà, en ce moment, c'est assez dur de vous trouver des choses à faire. On a semé le maïs, je n'étais pas là, donc j'ai pas pu vous filmer ça. Mais voilà, je vais vous trouver des trucs à faire en vidéo. Et donc voilà les gars, allez hop, jouez avec les images, allez à plus. Voilà les gars, je vous prends juste vite fait là, je suis en train de passer cette parcelle là. On avait fait des essais dans cette parcelle là, on avait mis de la paille là, donc là où on a l'herbe haute, et surtout dans celle là, on a mis une bonne couche de paille. Et donc là en fait on voit que l'herbe n'a pas poussé entre cette paille pour le moment. Donc ça veut dire quelque chose de bon quoi. Donc on va voir pour la suite quoi. Et voilà, je veux juste vous montrer ça vite fait et puis voilà quoi. Allez à plus. On a mis aussi ici, mais comme je vous l'avais dit, mais comme apport de matière, pas comme celui que là-bas on l'a vraiment mis. Bon, déjà comme apport de matière, mais surtout en fait pour comme ces lignes on passe pas dedans, faut qu'on poche à la main, et donc on voulait essayer vraiment de mettre de la paille pour éviter que l'herbe ne pousse. Et ça marche pas trop mal, même si hop, c'est pas vraiment un truc de fou quoi. Voilà. Allez les gars, je vous montre vite le résultat pour ici. Hop, ça fait un travail pas trop mal. De toute façon, je
sais pas, je repasserai peut-être une deuxième fois, je verrai. Ça a limite mieux marché ici. Donc à part ça qu'on n'a jamais travaillé. Franchement ça a vraiment bien marché. Et donc voilà quoi. Bon écoutez les gars, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous retrouve soit pour d'autres images, soit pour l'outro. Allez hop, à plus. Re les gars, je vous reprends vite pour une petite vous montrer un peu le résultat. Donc ici, donc ça c'est la parcelle qu'on fait d'habitude. Hein, voilà, donc je suis passé vite les extérieurs comme j'ai écrit un disque. Et là, c'est une parcelle qu'on n'a jamais faite. Donc comme on a des lignes vachement larges, je travaille vraiment large du cavaillon. Donc voilà, on peut voir, ça fait un boulot vraiment pas trop mal quoi. Donc je vais juste vous montrer ça et puis je vais mettre une vidéo d'ici parce que c'est vraiment 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 bien. Bon ici ça décolle pas beaucoup ici, mais je passerai sûrement une deuxième fois dans les parcelles que j'ai jamais faites pour vraiment enlever un maximum. Et voilà quoi. Donc écoutez les gars, je vais mettre des images d'ici parce que c'est vraiment différent de ce qu'on a passé la dernière fois où je vous fais des images, c'est-à-dire une parcelle dans la parcelle là-bas où ça a déjà été travaillé. Ici c'est vraiment 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 différent, donc je vais mettre des images ici. Ouais les gars, je vais mettre quelques images, allez à plus. Ouais les gars, je reprends juste vite fait pour vous montrer un petit truc. J'ai fauché un pré qui appartient à mon oncle, vite fait, avec ça. Donc vous l'avez déjà vu peut-être une fois ou deux. Donc c'est une faucheuse. Donc en fait c'est une faucheuse que j'ai récupérée chez quelqu'un et qui en fait était complètement morte, que j'ai démonté entièrement, qu'on a démonté entièrement avec mon père. Tout changé, absolument tout changé, tout ce qui est donc truc, donc elle est quasi neuve. On a tout refait entièrement, voilà, je suis en dessous du vent. Voilà. C'était juste pour vous montrer ça vite fait, désolé, je vous ai pas fait d'image, mais je vous ferai sûrement une vidéo dans les vignes avec. Hein, parce qu'on n'a pas fauché cette année. Première fauche, on n'a pas fait avec. Parce qu'on n'a pas encore fait, on n'a pas encore les vérins dessus, parce qu'il n'y avait pas les vérins dessus. Donc faut qu'on trouve des vérins pour mettre dessus. Donc pour approcher avec grand. Maintenant pour faire juste les prés comme ça. Donc comme on a les vergers, c'est vachement bien. Voilà. Alors, les gars. Bon allez, je vous laisse avec la suite. À la plus. Re les gars, je vous reprends vite rapidement pour un petit truc parce que tout simplement j'ai envie de vous dire, je vous reprends juste avant l'outro. Tout simplement parce que donc déjà juste pour vous montrer la faucheuse comme ça, je sais pas si je vous avais montré, bon bref, il nous manque juste les vérins devant. On en a, mais faut qu'on on trouvera bien quelque chose à faire. Je vais la graisser là maintenant. Non, c'est juste pour vous dire, voilà, en fait c'est une faucheuse qu'on a récupérée. Je vous mettrai juste quelques images après ce passage. Donc quand on l'a refaite entièrement, parce qu'on l'a entièrement démonté, entièrement refaite et entièrement remonté bien sûr. Il me reste juste encore à faire le disque, parce que le disque est un peu chrome, on va dire. Hein, donc il est un peu plat, un peu cassé, un peu bref. Donc il me reste plus que le disque à refaire et puis voilà. Aussi donc je vais faire mal là. Et j'en ai un deuxième ici. Enfin deuxième, j'ai le troisième ici on va dire. C'est un farmal qu'on allait chercher encore un autre. Donc c'est un F265D de 59. Donc c'est les premiers sortis quasiment. Donc voilà les gars, vous aurez aussi notre vidéo là-dessus. Là, il faut qu'on le refasse. Il faut que je change le pneu là-bas derrière parce qu'il est un peu crevé. Alors, le PGS, j'ai enlevé le relevage avant, je vais lui remettre. J'ai la brosse là-bas qu'on est en train de monter. Juste là-bas. C'est une brosse, en gros j'ai pris les têtes fraises et puis j'ai monté des brosses en dessous. Je vous montrerai ça, vous inquiétez pas. Puis voilà quoi, donc vous aurez quelques trucs là-dessus quoi. Allez hop les gars, je vous laisse avec les quelques images de la faucheuse vite fait. Et puis avec la outro quoi. Allez les gars, à plus. Bon les gars, j'espère que vous m'entendez, j'espère que vous me voyez bien. Bon je suis un peu plein de merde, je suis toujours avec la faucheuse. Je suis au verger là. Je suis en train donc de faucher, j'ai tout le long en bas. Non, c'est juste en haut là. Puis voilà, c'est juste pour vous dire que je vais arrêter la vidéo ici. Ça fait déjà quand même beaucoup, une grosse vidéo, enfin une bonne vidéo déjà. Donc je vais vous l'arrêter là. On se retrouvera pour une prochaine. Et puis voilà quoi, donc je vais vous mettre quelques images avec la faucheuse. Et puis bah, je vais vous laisser là quoi. Donc je vous mets juste après ça quelques images de la faucheuse et puis on va cesser là. Vous l'avez vu aussi, je vous ai mis aussi les nouvelles intro en outro. Donc j'espère que ça vous plaira. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà les gars, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et puis voilà quoi les gars, je vous laisse. Allez, c'est ça, allez à plus.
Marche pas fort, l'engin saigné. Maman, la beauté de l'engin.